Salut tout le monde, c'est Froski, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Donc c'est pas un gameplay aujourd'hui que je vais vous montrer, c'est un petit glitch utile en infecté. Enfin, deux petits glitches plutôt. Donc on va commencer par le premier, celui-ci c'est pour survivre jusqu'à la fin de la partie en fait. Donc en gros, va falloir sauter sur ce petit poteau. Donc je vous montre au niveau de la map où on est. Et on est là, hein, voilà. Va falloir sauter sur ce petit poteau ci et ensuite sauter ici. Donc en fait la manip à faire, donc là hop, on saute dessus. Va falloir accélérer, enfin courir, donc appuyer sur le joystick gauche. Et ensuite appuyer sur B, donc pour s'accroupir. Il faut vraiment viser le petit coin ici, entre le poteau et le petit coin là. Donc je sais pas si je vais réussir du premier coup. D'accord. Donc je vais accélérer ça au montage. Hein. Donc on se retrouve à... Bah, on se retrouve pas en fait, ça va faire une petite accélération. Donc on se retrouve dès que j'ai réussi et puis voilà, on passera au deuxième glitch tout à l'heure. Non, à tout de suite. Donc voilà les gens, re tout le monde. Donc là comme vous avez pu le voir, je viens de réussir donc une fois. En fait j'arrivais pas parce que tout simplement j'appuyais sur QT de m'allonger, de m'accroupir, enfin bref c'est pas grave. Donc maintenant il va falloir, parce que là c'est on est bloqué en fait, il va falloir tout simplement s'allonger. Donc regardez par là et voilà. Hop, vous allongez en arrière. Et ensuite, bah voilà, vous allez n'importe où, donc vous pouvez aller jusqu'à là-bas. Et ici il me semble que c'est le maximum, ouais, voilà. Donc là vous pouvez vraiment aller tout au fond, je sais pas si on peut, je sais pas s'il y a un truc au fond, on va voir ça tout de suite. Donc voilà un glitch, bah, c'est pour survivre tout simplement en infecté, hein, parce que là il y a vraiment aucun moyen de le tuer, sauf ici peut-être, ouais effectivement il y a quelques kills à faire. Je sais pas si on peut vous tuer de là-bas, ouais ça peut être sympa aussi, on peut peut-être faire des kills en se mettant ici. Donc voilà pour ce premier glitch les gens, on se retrouve tout de suite pour le deuxième glitch. Donc voilà. Bah j'ai même pas eu besoin de faire de pause en fait parce que j'ai spawn juste à côté. Donc le deuxième glitch ça va être dans ce rocher là. Donc en fait il va tout simplement falloir courir, sprinter et en même temps rentrer. Mais vraiment là vous voyez là où j'ai tiré, vous sprintez dedans et hop là. Là vous rentrez dedans, bon voilà un petit glitch hein. Je pense qu'il va être patché. Donc ça c'est un glitch d'invincibilité. Et en même temps d'invisibilité, hein, mais bon, on pourra pas vous cutter, on pourra vous tirer dessus, donc c'est pour ça c'est un truc à faire en infecté. Et on pourra pas vous lancer de couteau, vous êtes vraiment invincible, vraiment. Et puis vous allez me dire, ouais mais pour les munitions comment on fait? Bah moi j'ai fait un gameplay, enfin j'ai fait un 117 de série comme ça au Lynx. Et j'avais la toupillard, donc qui était intégrée dans la classe. Et j'avais juste à m'avancer légèrement, et je ramassais tous les pillards qui étaient autour de moi. Donc là vraiment il y aura des infectés au-dessus de vous, à côté, partout, partout, partout. Sauf derrière. Donc voilà, vous pouvez faire un petit massacre en infecté. À la fin de la vidéo, je vous mettrai le petit gameplay si vous voulez. En accéléré en x2 je pense. C'est un truc à faire genre une fois quoi, c'est vraiment chiant. J'étais avec deux potes, avec Dédicace à eux en même temps, avec Napo et Waxo. Ouais voilà, c'est vraiment chiant. Parce que bah vous êtes vraiment invincible quoi, c'est. On peut pas vous arrêter, on peut pas vous cutter, on peut pas vous lancer de couteau de lancer, c'est vraiment invincible. Juste vous tirer dessus. Et encore, je vais tirer là, je vais voir à travers si on peut. Ouais, on peut vous tirer dessus. Donc voilà les gens. Bon bah sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Pour le premier glitch là au fond de la map là-bas là. Essayez vraiment de le réussir en partie privée parce que c'est dur à faire. Vous y arriverez pas du premier coup, enfin ça m'étonnerait. Donc c'est vraiment vous montez sur le poteau, vous sprintez, vous sautez et vous vous accroupissez. Mais vraiment vous voyez vraiment sur le petit bord. Ensuite vous regardez là-bas et hop vous reculez. Bon voilà, après si vous le faites en infecté, si vous mourrez, bah voilà, vous êtes infecté, donc bon c'est plus trop. Plus trop utile en fait hein, tout simplement. Donc bah voilà, je vous ai tout montré je pense comme glitch sur cette map.
Donc bah les gens, je vous montre tout de suite le petit gameplay que j'ai fait et je vous dis à la prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, laisser un like, à commenter la vidéo, à partager la vidéo et à me suivre sur Twitter au même nom de ma chaîne. Donc bah sur ce les gens, c'était Froski, on se retrouve très bientôt pour un petit gameplay, un petit carnage, une tentative double mob sur Stormfront. Donc bye tout le monde, c'était Froski. Thank you.